Bonjour à tous, je suis l'auteur suisse de survivre à l'effondrement économique. Comme vous le savez, de nombreux pays ont mis en place des mesures totalement inutiles et ces gouvernements incompétents nous imposent leur volonté de manière aléatoire, arbitraire, soi-disant basée sur des avis d'experts. Mais en réalité, il y a plus du caprice totalitaire qu'autre chose. Et le temps est venu, je crois, je crois, à chacun de faire ce qu'il veut, de montrer notre mécontentement par euh, des actes de désobéissance civile, euh, tout à fait pacifique, bien sûr, tout à fait euh, euh, raisonnable, plein d'humour et euh, de, de bienveillance malgré tout, car euh, nous devons protester contre cette bêtise qui nous est imposée. Si l'économie doit s'effondrer, comme je le pense, euh, ce sera inévitable, au moins qu'elle le fasse pour des raisons naturelles et non pas parce que des idiots euh, maîtrise ou essaye de maîtriser une démolition contrôlée de notre système économique. Alors je vous propose euh, pour ceux qui vivent dans des pays qui ont mis en place un confinement, deux euh, nouvelles, euh, deux, deux mesures de protestation pacifique et sympathique. Lorsque le, le couvre-feu commence, eh bien je vous propose chaque heure jusqu'à par exemple si le confinement commence à si le, le couvre-feu commence à 18 heures, eh bien euh, chaque heure et ce jusqu'à l'heure qui est raisonnable, c'est-à-dire par exemple, j'habite en Suisse, en Suisse nous ne devons pas faire de tapage nocturne à partir de 22 heures. Donc de 18h à 22h, toutes les heures de sortir sur votre balcon et à tue tête de crier ceci Alors certes, ça peut paraître dérisoire, ça peut paraître euh, euh, minuscule, mais si nous sommes nombreux et si cela prend de l'ampleur, eh bien c'est assez rigolo et ça fait réfléchir et ça vous permet aussi surtout de vous défouler un petit peu, et, euh, et ça c'est quand même euh, assez rigolo. La deuxième chose que je vous demande de faire, c'est de proposer, donc de, de faire comme moi. Donc moi, c'est la première vidéo dans ce sens. À vous de faire la deuxième, ou la troisième, ou la cinquième, et ainsi de suite. À vous de créer votre propre défi de, de défi envers les autorités et envers les autres, et de faire une, une vidéo également, et peut-être, si elle est partagée, si elle est virale, eh bien vous allez proposer une mesure de, voilà, de, de défi citoyen, de défi populaire aux autorités, pour leur dire « ça suffit », euh, avec votre euh, déraison et à votre, euh, avec l'absurdité que vous nous mettez en place. Donc à vous de jouer. Ces deux choses, ça peut être assez rigolo. On verra bien si ça marche ces prochains temps. Si vous voulez en savoir plus et je mettrai d'autres propositions de, de défis et de, 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 voilà, de, euh, de défiance citoyenne et pacifique, je les mettrai sur ma chaîne Patreon et euh, nous en discuterons et nous verrons ce que nous pouvons faire. À très bientôt et préparez-vous.